Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'ai pas dit gloire à David. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. J'aimerais te poser une question. Qui tu es venu rencontrer aujourd'hui? Jésus. Alléluia. Amen. Parce que si tu es venu voir un homme, c'est normal. Si la personne n'est pas là, on peut te voir face. Mais si tu es venu rencontrer Jésus, même si un homme n'est pas là, tu sais que Dieu, il est esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu, il est esprit. Et tu as gêné pourquoi? Je vais te poser la question. Alléluia. Je vais te poser la question. Tu as gêné pourquoi? Peux t'asseoir. Tu as gêné pourquoi? Lève la main petit peu. Oui. Ah, ils ont une tête là. Ton gêne là, c'est pourquoi? Alléluia. Alléluia. Pourquoi encore? Oui. On gêne pour chercher la face de Dieu. Qui d'autre? Pour se rapprocher du Seigneur. Merci beaucoup. Qui d'autre? Parce que vous devez savoir pourquoi vous jeûnez. Oh, j'ai jeûné, je suis là. On dit, louez le Seigneur. Amen. Seigneur, il faut faire moins la face. Parce qu'il fallait rester à la maison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. On gêne pourquoi? Vas-y. On gêne pour affaiblir la chair et affaiblir l'esprit. C'est ça. Gloire à Jésus. Donc on est venu rencontrer Jésus-Christ. Mais Jésus lui-même là, il est quoi? Est-ce que ce sont les quatre mots qu'on trouve ici là? Non. Maman. Oh, Jésus est esprit. Il est esprit. Il est esprit, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, c'est ça? D'accord. Mais Jésus, là, on peut le connaître grâce à quoi? Il y a quelque chose qui permet qu'on connaisse Jésus. Grâce à nos foi. Amen. D'accord, quelqu'un d'autre? Ça? Faut parler dans le micro. Sa parole. Sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais sa parole, on va lire sa parole. Et puis on va comprendre ce qui est écrit dedans. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Somme chapitre 100. Somme chapitre 100. À partir du verset 1. Tiens-toi debout. Somme chapitre 100, le verset 1. Attends d'abord. Tu prends ta Bible. Tiens-toi debout. Oui. Dépose ton sac. Sac là, ça ne va pas disparaître. Mets ça qui part. Mets ça à côté. Mets ton sac à côté. Tiens-toi debout. On se tient debout tout le monde. Quand tu prends ta Bible, tu te tiens debout. Somme chapitre 100. Prends ta Bible, tiens-toi debout. On te pose un cahier là. Et puis écoute ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Somme chapitre 100, le verset 1. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers qui? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Donc toi, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Maintenant, toi, tu es venu dans la présence de Dieu là. Tu pousses quel cri? Cri d'amertume, cri de difficulté, au cri de problème. Au cri de tu me mets, au cri de tu me gênes, au cri de tu m'as invité, pourquoi même? Oh, au cri de tu es où? Au cri de je ne vois pas, au cri de quoi? Tu cries, tu pousses quel cri? Poussez vers l'Éternel les cris de joie. Des cris de joie. Alléluia. Amen. Allons-y. Vous tous. Qui? Vous tous. David seulement. Vous tous. Les chants seulement. Vous tous. Les musiciens seulement. Vous tous. Vous tous. Dans la présence de Dieu. Quand on dit louer le Seigneur, mais est-ce qu'il est parti? Il va clamer, vous louez.
faut bouger, faut adorer, faut parler à Jésus. Parce que tu n'es pas là pour un homme. Dieu te dit, bien aimé, moi il ne sauve pas. Même après d'abord, il ne sauve pas. Évangéliste, il ne va pas te sauver. Il y a qui encore? Tous les hommes qui sont à l'hôtel, personne ne va te sauver. Mais la seule chose qui va te sauver, c'est la parole de Dieu. Ceux qui vont adorer Dieu en esprit en vérité, c'est ceux-là qui verront Dieu. Amen. Si tu n'adores pas Dieu en esprit en vérité, tu ne verras pas Dieu. Faut monter votre destin, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi il t'a posé la question. Tu jeûnes pourquoi? Oh, tu pries pourquoi? Mais celui que tu pries là, là où toi et trois personnes sont unies en ce moment, il est là. Amen. Faut laisser faire le 4000. Jésus dans le côté. Laisse ça. Là où toi ou trois personnes l'attendent, l'esprit en vérité, il est là. Amen. Donc quand tu viens au milieu des personnes, quand tu viens pour la première fois, pour la deuxième fois, même si tu as fait un an, tu as fait deux ans, tu as fait trois ans, tu n'es pas ancien. Si tu viens d'arriver, tu n'es pas aussi nouvelle. Parce que avant que le monde soit créé, on se connaissait dans les cieux. Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare que nous étions cachés en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour s'aimer l'éternel depuis le joie. Joie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas pas te taire. Nous allons pousser, dépose ta Bible. Je vais compter jusqu'à toi. Nous allons pousser vers le Seigneur des cris de joie, des cris d'allégresse. Nous allons pousser vers le Seigneur des cris de joie. De se manifester. Mais tout ça, c'est un processus. Alléluia. Amen. Donc tu vas comprendre. Alléluia. Amen. On va prendre Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du verset, je crois, 41. Ok. Jésus devant le tombeau. Jean chapitre 11. Mais c'est pas le bas, pas le bas. Écoute. Jean chapitre 11, verset 41. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Il jetait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, oui. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Écoutez très bien. Lazare. Oui. Jésus lui-même a crié. Lazare. Il a dit Lazare. Sors. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Le mort est sorti. Quelqu'un est passé de la mort à la vie. Amen. Écoutez bien. Quelqu'un sort de la tombe. Mais la Bible déclare qu'il a les mains et les pieds liés de bandes. De bandes. C'est écrit, non? Oui. Faut regarder, c'est écrit.
Oui. Et le mort sorti, vas-y. Et le mort sorti. Oui. Les pieds et les mains liés de bandes. Les pieds et les mains liés de bandes. Attends d'abord. Quand on était dans le monde, ceux qui criaient à plein gosier, répondez-vous, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Et un jour, tu acceptes le Seigneur. La voix de l'évangile qui est rentrée dans le monde, dans le tombeau plutôt, la voix de Jésus qui est rentrée dans le tombeau, où Jésus a crié Lazare sort. La voix de l'évangile là, c'est l'évangile, la voix de Jésus là, c'est l'évangile qui t'a été annoncé étant dans le monde. C'est l'évangile qui t'a été annoncé dans les songes. C'est l'évangile qui t'a été annoncé par la parole. Alléluia. Amen. Pour que toi, étant dans le monde, c'est un tombeau. Quand quelqu'un vit dans le monde, il est mort. Donc tu étais mort. Tu étais dans la tombe. Mais il a plu à Dieu de t'appeler par sa voix, qui est l'évangile. Alléluia. Amen. Et quand tu es venu au Seigneur Jésus, la Bible déclare que Lazare est sorti de la mort à la vie, mais Lazare avait les bandes. Donc j'ai accepté Jésus, ne souffre pas. Oh, j'ai accepté le Seigneur Jésus qui était, ça ne souffre pas. C'est un processus. Tu commences d'un point A à un point B. Mais Lazare est sorti du tombeau. Normalement, on doit lui dire, toi, va te promener, va manger, va faire ce que mais il ne peut rien faire. Relis le passage. Au verset 44. Oui. Et le mort sorti. Le mort est sorti. Les pieds et les mains liés de bandes. Il avait les pieds. Il avait les mains liés de bandes. Attends, pourquoi ne dis pas, il avait des bandes sur le ventre. Oh, il avait des bandes, des bandes à la poitrine. M'en dit les mains et les pieds. Parce qu'on sait que quand tu lis les mains et quand tu lis les pieds, tu es bloqué, tu ne peux plus rien faire. Et c'est pourquoi le monde spirituel, il attaque toujours tes mains, tes pieds. La plante de tes pieds, parfois, ils volent tes chaussures. Moi, quand j'étais petit, je perdais toujours des chaussures. Je m'en vais jouer. Quand je m'en vais jouer au foot, jusqu'à mon retour, ça arrive à la maison et c'est que je suis perdu. Tous les jours. Et il y a certains d'entre vous ici. Vous devez garder les chaussures. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne volent pas un pied. Ils ont volé la chaussure, vous ne comprenez pas. Oui, le diable doit te lier. Alors il a besoin de mettre les bandes à ton pied. Donc quand tu étais dans le monde, voilà ce que le diable a fait. Il t'a lié les pieds. Parce que pourquoi? La plante des pieds signifie quoi? Quand tu dois posséder un territoire, ce n'est pas tes mains, c'est les pieds. Quand on dit quelqu'un arrive à quelque part, ce sont ses pieds. Alléluia. Amen. Un marabout m'a dit, pendant que je faisais les médicaments avant, quand j'étais bouteur, il m'a dit, voici, si tu veux voyager, même aller en Angleterre, dis-moi. Moi-même, j'ai eu peur. Mais je vois que tous mes amis, tu voulais la voyager. Et il m'a dit, voilà le Guinéen qui fait ça. Je suis venu le voir. Il m'a dit, tu vas seulement mettre la plante de ton pied. Comme ça. Parce que lui, il consulte avec le sable. Et quand je vais me retirer, il va prendre un peu de sable. Il va mettre dans un talisman, et ça aussi, pareil. Et le talisman sera petit. Moi, je vais garder un. S'il y a quelqu'un qui va dans le pays que moi, je vais partir, on doit lui remettre le talisman. Et en le temps, lui arriver dans le pays, si c'est en Angleterre, il jette. Mais moi, j'ai un sous moi qui ne doit pas se perdre. Aussi longtemps que le talisman est là-bas, tu vas aller là-bas. Imagine-toi. Et c'est comme ça, vous voyez les petits humains là. Excusez-moi s'il y a quelqu'un qui est du là, mais c'est une manière de parler parce qu'ils aiment beaucoup le fétichisme. Alléluia. Vous voyez les gens qui voyagent beaucoup là. Vous voyez. Derrière ça, voilà des choses qui se passent. Donc, on constate que la plante des pieds là, c'est toute ta possession humaine. C'est ton âme. C'est ta présence. Donc, si la moitié de toi se trouve en Angleterre, tu ne peux pas vivre. Donc, tu es obligé de rallier à la deuxième moitié. Donc, une situation va venir comme ça. Fou. Et le monde des ténèbres vont faire sortir quelqu'un là-bas qui va t'aider. Point oui, point non. Il dit non, c'est toi, il veut aider. Et puis, paf. C'est encore ce que vous avez remarqué sur la toile.
Quelqu'un met un savon dans ses oreilles. Comme il a fait un talisman, savon dans ses oreilles. On paye une voiture pour lui. On paye tant pour lui. Quelqu'un sort là-bas, il dit oh da, 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 da. Et puis on dit on te donne tout. On le paye quand on l'envoie à Dubaï. Vous pensez que c'est simple? Et sur la toile, on constate que le monde commence à faire quoi? À donner de l'argent à toutes ces personnes-là. Mais jamais ils viennent dans les églises saintes pour dire je vais faire une offrande de 20 millions pour construire un temple. Jamais. On va jamais les voir. Pourquoi? Parce que eux, ils sont du monde. Et ce qu'ils font pour avoir leur argent doit être aussi, ils doivent aussi soutenir les autres qui ont fait les mêmes médicaments. Mm-hmm. Donc ça se produit seul, sans eux-mêmes qu'ils le sachent, ça se fait. Puisque le monde attire le monde. Donc c'est ainsi que les pieds des enfants de Dieu sont liés. Et toi dans le monde, ils t'ont emmené dans la prostitution. Quand tu courais pour aller dans la débauche, tes pieds étaient liés. Quand tu courais pour aller dans les bas, tes pieds étaient liés. Et dans les bas, ils ont volé la plante de tes pieds. Et c'est pourquoi toi qui dois voyager, tu as l'impression que tu es quelqu'un qui tu dois beaucoup toucher pour lui. Tu ne peux pas. Tu es bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé la plante de tes pieds. Alléluia. Amen. Ils ont volé, ils ont lié tes pieds. Toi, tu ne sais pas. Mais il faut la révélation des Écritures pour comprendre. C'est pareil pour les mains. Oh, il y a des personnes. Quand on dit que tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est vrai que tu donnes avec amour. Mais prie la peine. Prends la peine de prier dessus. Quand on était dans le monde, oh, on aidait des gens comme ça. On voit quelqu'un en dire, oh, mon cher, on va donner comme ça. On va donner comme ça. On va donner comme ça. Et qu'est-ce que ça produit? Il y a des satanistes qui sont supprimés dans le monde. Parfois ils sont handicapés. Tu as l'impression que le gars il fait pitié. Tu dis tiens, on peut faire pitié comme ça. Et on prend de l'argent en l'étonne. On prend des trucs en l'étonne. Mais en réalité, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des agents des ténèbres qui sont là rien que pour voler les finances des enfants de Dieu. Venez déposer seulement dans les corbeilles. Ils vont voler vos finances. Il y a des personnes, depuis tu as donné quelque chose à quelqu'un, jusqu'au début, tu n'as même retrouvé. C'est comme ça qu'ils volent les choses. Donc ils vont lier tes mains. Ils vont lier tes pieds. Et quand tu es lié comme ça, tu ne peux rien faire. Alors, tu es maintenant au premier niveau de la délivrance. Le premier niveau, plutôt, tu es senti. Par exemple, plutôt, le premier niveau, voilà. Le premier niveau, tu es sorti de la tombe. Tu es venu. Maintenant, le deuxième niveau, folie. Tu vas comprendre le deuxième niveau. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Oui, écoute. Hein. Lazare. Lazare. Sors. Voilà la première délivrance. Dieu te fait sortir du monde et il t'envoie à lui. Alléluia. Amen. C'est la première délivrance qu'un homme ne peut pas faire. C'est la seule délivrance qu'un homme ne peut pas faire. Si quelqu'un dit non, je l'ai lui là, je l'ai converti, c'est un menteur. Toi, tu ne peux pas convertir un homme. Celui qui peut convertir. Celui qui peut faire sortir quelqu'un de la mort à la vie, il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pile là, c'est pile là. Celui qui peut faire sortir quelqu'un de la mort à la vie, il s'appelle Jésus. Donc, ce n'est pas son évangile. Oh, ce n'est pas sa parole que la personne a cru et elle sort de la mort et passe à la vie. Voilà le premier niveau. Mais ce n'est pas, ça n'est pas là. Ce n'est pas fini. Vous acceptez Jésus seulement, ce n'est pas fini. Il y a un travail à faire. Mais normalement, Jean est venu à la lumière. Jean est venu à la lumière. Il n'est plus dans la tombe. Mais il y a le travail qu'il doit faire maintenant. Ensuite, allons-y. Les mains et les pieds liés. Écoute. Verset 44. Oui. Et le mort sorti. Oui. Les pieds et les mains liés de bandes. Les pieds et les mains liés de bandes et. Et le visage enveloppé d'un linge. Dans le toit, la troisième chose encore, le visage enveloppé d'un linge. Un linge qu'on appelle un voile. Où on t'empêche maintenant d'entendre la voix de Dieu. On t'empêche maintenant d'écouter la parole de Dieu. Quand tu étais dans le monde, quand quelqu'un vient te dire non, ça c'est pas bon, tu dis ça c'est bon. Et tu faisais le mal parce qu'il y avait un linge à ton visage. Alléluia. Et c'est ce qui faisait que tes songes étaient bizarres. C'est ce qui faisait que le diable qui utilisait tes songes et te montrait d'autres choses en te faisant croire que la coiffure que tu fais là c'est une bonne chose. Oh, la colère que tu manifestes c'est une bonne chose. Oh, les c'est une bonne chose.
il te vole. Et quand tu es volé, tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Mais quand tu sors du monde, tu viens à Jésus, c'est maintenant on va voir le voile. Quand tu es dans le monde, on ne voit pas le voile. Quand tu es dans le monde, on ne voit pas que tu es lié. On ne voit pas que tu es lié. C'est quand tu viens à Jésus que tu constates que il y a un esprit qui est caché depuis longtemps. Alléluia. Est-ce qu'il peut dire amen? Amen. Oh, dis amen, dis amen. Jésus est trop bon. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Il est l'alpha et l'oméga. Il est tout puissant. Il est véritable. Hey! On était dans l'ignorance. On ne savait pas. Il fallait la lumière pour nous éclairer. Pour voir qu'ici ça va pas. Oh là ça va pas. Oh ici ça va pas. Il fallait Jésus qui est la lumière du monde. Amen. Pas la lumière même dans le pauvre qui est le monde. Le monde le vient à la vie. Amen. Et la terre est sortie de la tombe grâce à la lumière qui a frappé dans le tombeau. Amen. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour toi. C'est tellement puissant qu'aucun homme ne peut faire cela. Amen. Il te fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Maintenant le deuxième niveau. Ça c'est le premier niveau que lui-même il fait. Le deuxième niveau, vas-y. Jésus l'a dit. Maintenant Jésus va dire à qui? Ses disciples. Jésus dit à ses disciples quoi? Délier-le. Oh, ce n'est plus maintenant Jésus qui fait. Jésus maintenant va appeler ses disciples. Et puis il va dire maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, ou sur les scorpions. Maintenant, déliez-moi cet enfant. Mettez-le sur le programme de chaîne. Et qui passe à la délivrance, vous allez attaquer les esprits, sortez de lui. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus me l'a dit. Déliez-le et laissez-le aller. Là maintenant, Jésus regarde dans ses disciples. Quand il, comme il travaille en eux, il est présent, mais c'est eux qui font le travail. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Déliez-le et laissez-le. Allez. Amen. Donc si on n'a pas délié la personne, il ne peut pas partir. Il ne peut pas bouger. Il est bloqué. C'est pourquoi tu sens la lourdeur. Tu sens la nonchalance. Tu veux servir Dieu, c'est compliqué. Tu es lié. Vérité. Alléluia. Amen. Tu es lié. Et tu dois comprendre ce principe. Quand tu vas commencer à comprendre ce principe, tu vas voir qu'il y a un travail à faire. Tu ne dois pas jouer avec ta vie. Il y a un travail à faire. Amen. Même nous-mêmes qui savons Dieu, tous les jours on est attaqué de partout. Tu veux sauver quelqu'un qui est dans la boue, mais la personne t'en force plus. Téléphone. Quelqu'un a besoin de toi. Tu veux l'aider. On va t'enfoncer. À plus forte raison. A plus forte raison. A plus forte raison, toi, qui est en train de te battre, lutter avec le péché. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Jésus dit aux disciples, déliez-le et laissez-le aller. Là, c'est le deuxième niveau de la délivrance. C'est ça, c'est dans ça que tu es aujourd'hui. Parce que les bandes sur le corps est égal aux esprits d'oppression. C'est pourquoi parfois tu sens comme un esprit qui vient sur toi. Parfois tu sens que la colère que tu ne peux pas manifester là, aujourd'hui il y a une puissance qui t'anime et puis tu manifestes la colère. Parfois tu sens que tu ne dois pas commettre les péchés, mais tu sens une force t'emmener dans la convoitise, dans la masturbation, dans le vol, dans l'ivrognerie. Tu ne comprends pas. C'est les liens. Et chaque lien est égal à chaque démon. Chaque lien est égal à chaque démon. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les liens là, ils sont là à cause de quoi? Romains 6, verset 23. Pourquoi les liens sont là? Romains 6, verset 23. Allez,
Romains 6, verset 23. Allons-y. Romains chapitre 6, le verset 23. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Car le salaire du péché. Le salaire du péché. C'est la mort. Donc on constate que si on paye quelqu'un, si on donne un salaire, c'est que la personne a travaillé. C'est ça normalement. Donc étant dans le monde, tu as travaillé, travaillé, travaillé. Maintenant, on te donne ton salaire, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc quelqu'un travaille jusqu'à. On vient de payer la vie. Au lieu de payer la vie, on le paye la mort. Qu'est-ce qui fait ça, le péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc toutes les bandes, tous les liens qu'ils ont pris pour entourer Jean, et pardon, Lazare, ce sont des esprits qui sont venus à cause du péché. Maintenant, ils doivent venir où? Les hommes de Dieu doivent le mettre sur un programme de jeûne. Et maintenant, on va appliquer la délivrance pratique sur lui. Parce que ces bandes-là, il ne peut pas se délier lui-même. Et s'il n'est pas délié, même quand il mange la parole de Dieu, il a l'impression que ça ne rentre pas dans son ventre. Quand la parole de Dieu vient en lui, il a l'impression que ça ne rentre pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas délié. Il y a un lait sur son visage. Il ne peut pas manger la parole de Dieu. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il s'approche des hommes de Dieu. Comme Jésus dit, déliez-le. Alors nous maintenant, on te met sur un programme de jeûne, et puis on commence à prier pour toi. On commence à prier pour toi. On commence à ordonner aux esprits de mort. Mais tout d'abord, avant que cela n'arrive au bien-aimé, ça va commencer maintenant par la repentance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc avant de chasser ces esprits, nous on connaît le principe. On sait qu'un lien, un démon qui est là, il est là à cause de quoi? À cause du péché. Alors, on doit maintenant passer par la repentance. Et après la repentance, quand on ordonne à l'esprit, l'esprit peut partir tranquillement. Il est là à la mairie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le deuxième niveau où Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller, voici ce que les hommes de Dieu font. C'est pourquoi tu mets sur un programme de jeûne. Sinon tu allais rester à la maison. Tu allais rester à la maison et puis à la maison là-bas, tu allais dire Dieu délivre-moi. Donc il faut qu'on te mette sur un programme de jeûne. On doit prier, puis casser les liens, briser les chaînes. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu ici, faut pas regarder taille. Oh, faut pas regarder cheveux. Bon, il n'y a pas cheveux. Faut pas regarder ça. Alléluia. Amen. Oh, il n'a pas cheveux. Laisse ça. Oh, il n'a pas la taille. Laisse ça. Oh, il n'est pas vieux. Laisse ça. L'esprit qui est en nous là, il est l'ancien des jours. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Jésus, l'esprit qui vit en nous, il est l'ancien des jours. Nous, on est rien. Nous, là, on est rien. Regarde à Jésus qui vit en nous. C'est lui qui va te libérer, c'est pas nous. On ne peut rien faire. Mais il vit en nous, il va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis ça pour que tu prennes foi. Amen. Pour que tu comprennes où on est en train de partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les liens, c'était quoi? Masturbation. Oh vol. Oh impudicité. Oh calomnie. Oh toucherie. Et à cause de ces chaînes, le monde spirituel s'est levé contre eux. Aujourd'hui, tu es venu au Seigneur Jésus. Regarde, tu veux manifester les dons et les talents. Tu as l'impression que tes pieds sont liés. On dit alors évangéliser, tu vas comme ça. Tout le monde avance. Pour partir, c'est une heure. Il va me lever, c'est comme ça, tu es lié. Pourquoi? Parce que tu étais dans le monde, toujours dans les bas, dans les bas, dans les bas. Tu es lié. Repentance. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause de ces choses qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à servir Dieu totalement. Parce qu'on a tellement, on s'est tellement lié. 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 Je vous dis, nous montre quelque chose. À part pour un peu de code. Si on a lié une seule fois quelqu'un, c'est facile de couper. Alléluia. Mais si on a lié plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, oui. Regarde tes parents adoraient les esprits de fétiche, maraboutage, ils étaient dans toutes ces choses, comme on dit qu'ils étaient dedans, dans copinage, mensonge, vol, impunité, rien n'est lié seulement, on t'a lié, on t'a lié, on t'a lié, et puis tu viens en un jour, oh Dieu délivre-moi. C'est pourquoi il t'a dit que c'est un processus. Mais aujourd'hui, si tu es fidèle, le Seigneur va te libérer de tous ces liens. Alléluia. Oui. Il va briser tes chaînes. Il va casser ses chaînes. Il
est capable de le faire. Il est capable de le faire. Mais ça dépend de toi. Tu dois reconnaître ton péché. Proverbe 28, verset 13 nous dit que celui qui avoue ses transgressions, celui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient ce qu'on appelle la miséricorde de l'Éternel. Et quand la miséricorde vient, elle te donne la force de servir Dieu. Bien aimé, il n'y a rien de plus beau que de servir Dieu. Je te dis la vérité, je ne voulais jamais servir Dieu. Mais il n'y a rien de plus beau que de servir Dieu. Il n'y a rien de plus beau que d'être appelé ma fille. Oh mon fils bien aimé, en qui j'ai ma confiance. Quand Dieu te délivre, c'est pour aller le servir. Alléluia. Il te délivre pour aller le servir. Je n'ai pas fait d'entretien avec toi. Mais, avant qu'on ne continue, on va prendre une position d'humilité. On va commencer à se repentir. Pour les chaînes, d'abord, on va casser. Après, on va rentrer en profondeur. On va casser. Après, on rentre en profondeur. Oh, on va casser. Après, on rentre en profondeur. On va casser. Alléluia. Je pose ta Bible à côté. Toi seul, tu connais ce qui t'a fatigué dans le monde. Et ça t'a enchaîné. Ça t'a empêché de servir Dieu. Et aujourd'hui, tu veux servir Dieu. Mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les chaînes, les liens qui t'ont fatigué dans le monde, ont repris vie. Mets-toi à genoux. Tu vas commencer à te repentir. Tu vas commencer à te repentir. Il faut que ces chaînes soient cassées. Il faut que ces liens tombent. Pour que tu puisses mieux servir Dieu. Mais tu dois avouer ton péché. On n'a pas fait un traité avec toi. C'est entre toi et Dieu. Les écritures sont là. Toi-même tu as vu. Toi-même tu as lu. Et tu as compris que tu dois te repentir. Car le salaire du péché c'est la mort. Ne laisse pas Dieu te payer avec la mort. Ne laisse pas Dieu te payer avec la mort. Ne laisse pas Dieu te payer avec la mort. Regarde, tu n'as même plus de vie. Tu n'as même plus de vie. Même quand tu donnes même un livre prier. Mais une minute, tu ne peux pas prier. Pourquoi? Parce que la mort spirituelle t'a envoyé. Oh, la mort spirituelle t'a envoyé. Oh, là, les liens de la mort. Ils t'ont environné. Ils t'ont environné. Ils t'ont environné. Seigneur, peut-être que tu penses que quelqu'un te coupe. Tu n'avais oublié ça. Oh, oublie, il n'y a personne autour de toi. Chacun a sa vie. Oh, chacun a sa vie. Ta vie n'est pas ma vie. Ta vie n'est pas ma vie. Commence à te repentir. Demande pardon. Oh, parle. Parle à papa Jésus. Dis au Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, je comprends maintenant. Regarde, c'est la colère qui me fatigue. Seigneur, c'est la haine qui me fatigue. Oh, Seigneur, c'est l'animosité qui me fatigue. Seigneur, c'est toutes ces choses qui me fatiguent. Je t'en supplie, aie compassion de moi. Adonai, aie compassion de moi. Elohim, aie compassion de moi. Elohim, aie compassion de moi. Oh, papa, délivre-moi de tous ces liens. Délivre-moi de toutes ces chaînes. Rabbi, casse les chaînes. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. Pour que tu puisses me libérer. Regarde, je veux te servir, je n'arrive pas. Je veux te servir, je n'arrive pas. Aide-moi. 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 Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus, parle à Jésus. Pardon,
Qu'est-ce que tu as beaucoup fait dans le monde? Toi, c'est le Seigneur. Pas la Jésus. 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 Il t'entend, il t'entend, il t'entend. Alléluia. Bien aimé. Alléluia.
Maranatha. T'assois. Tiens-toi debout. Soyez fortifiés. Mais on a comme l'impression que vous faites des récitations. Alléluia. Amen. On a comme l'impression que vous jouez avec ce moment. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas quel danger qui est derrière le péché. Moi, je vais prendre, et le Seigneur inspiré de prendre toujours des images. Alléluia. Vous m'entendez, non? Le micro là, aujourd'hui, là, il va me reposer un peu. Tiens, pardon, attrape-la. Vous m'entendez? Oui. Je vais vous expliquer le péché. Le péché est comme un bandit. Vous voyez les microbes, les petits qui agressent les gens à bobo, ils prennent des machettes, machettent les tranchants. Et il veut t'arracher ton objet. Pour t'arracher l'objet là, il va pas me dire, il va pas te dire donne, il va te macheter d'abord. C'est-à-dire qu'il va te blesser et maintenant il va t'obliger à donner. Et quand il l'envoie là, souvent même ta pompe, là où il a tapé, l'os peut se briser et puis ta chair va pendre. Voilà ce qu'ils font. Alléluia. Et il prend ta chose et il s'en va. Si tu veux résister, un autre va venir derrière, il va prendre une autre machette et puis te déchirer. Alléluia. Et l'objectif, c'est que tu meurs dedans. Tu perds la vie. Maintenant, je vous dis que le péché, celui qui est derrière le péché, là, c'est le diable. Alléluia. Amen. Et l'objectif du diable, c'est qu'il veut te nuire. Il veut que tu partes en enfer. L'objectif du diable, il veut que tu partes en enfer. Alors, tout ce qu'il va faire, c'est de te conduire en enfer. Lui, ce qu'il veut, là, c'est de te détruire. Alléluia. Parce que lui, ce qu'il veut, il veut ta mort. Il veut que tu sois éloigné de Dieu. Lui, il veut que toi, tu sois éloigné de Dieu. Lui, son objectif, là, c'est que tu t'éloignes de Dieu et que tu partes loin de lui. Alors, si tu dois prier, si tu dois te repentir, tu dois le faire de tout ton cœur, avec les enseignements que tu as entendus. Parce que derrière chaque péché se trouvent des démons. Je vous donne un exemple. Quand le Seigneur Jésus a chassé le fou de Gadara, quand il a croisé ce démon-là, cet homme-là, il a demandé, comment est-ce que tu t'appelles? L'Esprit a dit, je m'appelle Légion. Alléluia. Légion, là. Quand on a fouillé l'estimation de Légion, Légion fait de près de 6 000 à 12 000 démons. 6 000 à 12 000 démons. Et les 6 000 et 12 000 démons, là, eux, là, c'est dans ton corps, ils rentrent. Et quand ils sont dedans, leur objectif, c'est de te conduire en enfer. Bien aimé, c'est pourquoi vous allez voir, tu vas rêver dans ton rêve. Tu vas te voir en train de manger en rêve. Tu vas rêver. Tu vas te voir avoir des rapports sexuels en rêve. Tu vas rêver. Tu vas voir des chiens, des bœufs te poursuivre. Tu vas rêver. Tu vas te retrouver dans la maison familiale. Tu vas rêver. Tu vas te retrouver dans un trou noir. Ou tu vas rêver. Tu vas te trouver dans l'eau ou en train de nager. Ou tu vas rêver. Tu vas voir que tu es enceinte. Ou tu vas rêver. Tu vas voir que tu as des enfants. Tu vas rêver. Tu vas voir que tu as des femmes. Bien aimé, toutes ces choses que vous voyez dans les rêves là, ce sont des démons que vous voyez. Alors, si tu dois te repentir, je ne sais pas comment tu dois faire. C'est-à-dire que ta repentance là, c'est de crier à Dieu pour que le Seigneur vienne te vienne le secours. Mais si tu es là et que tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire, bien aimé, rien ne va se passer. Tu vas te tenir de vie. Tu vas te tenir debout. Sache que la prière là n'est pas faite pour un homme. Alors, sans monter ça aussi, nous sommes tous là dans des familles différentes. Et nos parents vont adorer des choses. Même si ce n'est pas nos propres parents, mais nos grands-pères sont rentrés dans des pratiques. On va prendre par exemple, on va citer un peu quelques noms. Poro. Poro. Chez vous, c'est Poro. Mais Poro, c'est un démon.
Poros, c'est une entité démoniaque. C'est un démon guerrier. Un démon de colère. Un démon, oui, de fer. C'est pourquoi vous allez voir que les jeunes de là-bas aiment porter des bagues. Tout ce qui est lié au fer. Et voilà comment l'esprit travaille. Le même esprit, ici, là-bas, il s'appelle Poro. Mais quand tu vas au nord du Togo, c'est le même esprit, mais il a un autre nom. Et les esprits travaillent comme ça. Quand tu viens à l'ouest, quelque part là-bas, c'est un esprit de dragon, de colère, un esprit d'impudicité, un esprit de débauche. Et ces esprits là travaillent. Et un esprit de forêt. Donc, les esprits que tes parents adoraient, ces esprits-là réclament chacun de vous. Et si vous ne vous levez pas pour crier à Dieu, pour briser cette alliance, ces alliances-là, quand vous allez mourir, ces démons-là vont dire, quand tu étais sur la terre, ton père, ton grand-père avait tissé des alliances avec moi. Donc, tu m'appartiens. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille était venue ici. Je ne la connais pas. On ne la connaît pas. La jeune fille est venue ici et au cours de la délivrance, l'esprit a commencé à se manifester. Et l'esprit dit que c'est moi, que son, le premier homme qui a créé le village, le premier homme qui a découvert le village a signé un pacte avec moi. Et le pacte qu'il a signé avec moi, il devait être un grand chasseur. Un grand chasseur, mais en revanche, toutes les filles m'appartiennent. Donc ce qui veut dire que ces filles-là, elles ne peuvent pas se marier. Si elles sont mariées, l'homme meurt. Ou elles vont d'homme en homme. Elle a un enfant ici. L'homme-là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'histoire. Séparation. Elle arrive ici. Elle a un enfant ici. Et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et elle retourne en famille. Et si elle meurt, elle va en enfer. Je vous dis que toutes les personnes que vous avez connues, qui ont des enfants, et qui sont mortes, elles sont tous en enfer. Et cet esprit a dit que les enfants me sont consacrés, les hommes comme les femmes, dont ils m'appartiennent, dont j'ai un droit. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Alors, bien-aimé, ce n'est pas un jeu. Si tu veux obtenir la délivrance, il faudrait que tu comprennes que ces alliances que tes parents tissaient te réclament. Alors, il y a eu une histoire d'un homme dans la Bible qu'on appelait Gédéon. Gédéon s'est levé et il a détruit l'autel qui avait été bâti. Et l'autel là, c'est toi, tu es Gédéon de la famille. Si tu n'étais pas levé pour détruire l'autel, l'alliance de famille qui est dans la famille, cela va vous réclamer et même se répercuter sur vos enfants. Regarde encore. Il y a encore des parents qui sont là adorés, comme on appelle Nda, on appelle les enfants Nda. Nda là, c'est les jumeaux, non? Et les enfants rendent un culte aux jumeaux. Venez prendre ici. Rendre un culte aux jumeaux. Alléluia. Ou d'autres encore vont adorer des rivières. Qui dans sa famille adore des rivières? Lève la main, n'aie pas honte. Ce n'est pas le moment d'avoir honte. Alléluia. Allez-y, prendre autorité, ce n'est pas pour regarder. Alléluia. Et les rivières là, on n'adore pas l'eau. La seule personne qu'on doit adorer son nom, c'est Jésus. Ah, mais je n'ai pas entendu. La seule personne qu'on doit adorer son nom, c'est Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, la rivière que les parents adoraient là, en réalité, ce sont les anges déchus. Des démons, ils sont tombés dans les rivières, dans les marigots, dans les lacs, dans les forêts, dans les montagnes. Ce sont ces esprits-là que les parents ont adorés. Dans ces rivières-là, ce sont des démons qu'ils ont dedans. Et quand les démons viennent dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10 verset 10, écoute bien. Jean 10 verset 10. Oui. Les voleurs. Alors quand ces démons viennent dans la vie de quelqu'un, ils viennent pour faire quoi?
Le voleur ne vient que pour dérober. Alors quand le démon vient dans la vie de quelqu'un, il vient pour dérober. Il vient voler ton mariage. Il vient voler tes finances. Il vient voler tout ce que ta paix, ta joie. Il vient voler ton bonheur. Tout ce qu'il vient faire là, c'est de détruire tout. Donc ce n'est pas un jeu. Et quand il vient voler là, il te lance un esprit d'impudicité. C'est pourquoi vous allez remarquer que plusieurs femmes ici ont connu des hommes. Ont connu des hommes, comme des hommes aussi ont connu des femmes. Ce qui n'est pas normal. Ce qui te dit que tu devais rester vierge de ta naissance jusqu'à ce que l'homme vienne te prendre. Et l'homme qui vient te prendre, c'est celui-là qui reste ton mari jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais tu n'as pas respecté l'étape que Dieu avait prévue. Parce que ces démons-là t'ont injecté un esprit d'impudicité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, derrière l'esprit d'impudicité, il y a une alliance. Il y a des démons. Ne pensez pas que lorsque vous étiez en train de sortir avec des hommes et des femmes, c'était des choses parce que vous êtes forts. Non, ce sont ces démons-là qui vous ont inspiré ces choses. Et si vous ne vous répondez pas, cette malédiction d'impudicité est sur vous. J'ai fait plusieurs fois plusieurs calculs ici. Imaginez que un homme qui est de la famille de Poro. Et Poro, je vous ai dit que quand Jésus a chassé le démon, il dit que nous sommes légion. Alléluia. Et j'ai dit que légion fait une armée de démons de 6 000. 3000 démons. Parce que vous êtes un. Quand vous êtes un, là, le mariage, ce qui est pour toi, est pour moi. Ce qui est pour moi, est pour toi. Donc l'alliance qui est tissée là, ce qui veut dire que tu prends des démons. Et voilà comment plusieurs personnes. C'est pourquoi si vous avez remarqué, dans les quartiers comme à la psychologie, on disait que souvent il y a des filles qui portent poisse. Quand tu sors avec elles, rien ne bouge encore. Si vous avez déjà remarqué ça, entendu cela. Mais bien aimé, ce n'est pas en vain que cela est sorti. C'est pour dire qu'il y a une malédiction derrière. Alors si tu t'approches d'être là, c'est fini. C'est-à-dire que tes étoiles. Et puis je vais vous dire, dans la femme, Dieu a mis tout son bonheur. Son bonheur là se trouve dans son hymen. Alléluia. Dans son bas-ventre. Donc quand elle sort avec quelqu'un, c'est comme si elle donne son bonheur à quelqu'un. Et comme le mariage n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est un démon qui prend le mariage, qui prend le bonheur. Maintenant, je vais te poser la question. Combien de personnes as-tu connues? Toi seul, tu le sais. Combien de femmes tu as connues? Toi seul, tu les connais. Et ce sont ces personnes-là qui viennent et qui deviennent une emprise. Alors même le vieux qui est sorti au village n'a pas peur de toi. Faut partir à l'église, hein, c'est pas un problème. Si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que cette alliance est encore sur toi. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Si tu ne comprends pas, faut lever la main. Je vais reprendre. Alléluia. Alors que ces démons-là viennent dans la vie de quelqu'un, c'est pour détruire, te nuire, parce qu'ils ne veulent pas. Eux-là, eux, ils n'ont rien à perdre. Eux, ils sont déjà destinés pour l'enfer. Alors, ils se sont jurés de ne pas aller seul. Alors, il faut avoir un maximum de personnes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire beaucoup de personnes. Alléluia. La masturbation. Quand quelqu'un se masturbe, c'est qu'il veut qu'il joue avec sa partie intime pour tirer un plaisir. Et le plaisir que tu tires, là, tu penses que tu es en train de faire cela, mais en réalité, celui ou celle qui se masturbe couche avec un démon.
tu couches avec un démon, que tu sois femme ou homme. Toutes les fois que tu te masturbes, tu couches un démon. Et dans la Bible, il y avait un homme qui aimait faire cela. Et Dieu l'a frappé. Genèse chapitre. Suivez bien. Parce que quand on va vous demander de prier là, priez sincèrement. Parce que derrière chaque péché se trouve des démons. Genèse chapitre 38, verset 8 à 10. Genèse 38, verset 8 à 10. Alors, Judas dit à Onan. Judas a dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Ton frère est mort. Faut aller prendre la femme de son frère. Oui. Prends-la comme mon beau-frère. Prends-la comme beau-frère. Et suscite une postérité. Oui. À ton frère. Et suscite une postérité, c'est-à-dire des enfants à ton frère. On en sachant que cette postérité ne serait pas à lui. Quand il savait que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre. Quand il allait avec la femme, il se souillait à terre. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Est-ce que vous comprenez? Il se souillait à terre. Quand il allait avec la femme, il jetait son flux, sa semence là par terre. Alors, tous ceux qui se masturbent, oui, continue, parce que c'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Afin de ne pas donner de postérité à son frère, cette fille faisait des prix à l'éternel, le fils aussi mourit. Alors, celui qui faisait n'a pas plu à Dieu, et Dieu l'a frappé. Alors, Onan est mort, et Onan est en enfer. Alors, tous ceux qui se sont masturbés, derrière la masturbation, il y a des démons. Et si tu ne t'es pas repenti, pour que Dieu te libère de cet esprit, quand tu vas mourir là, arriver à la porte du ciel, c'est lui qui va venir se présenter pour Dieu. Quand celle ou celui-là, il était sur la terre, c'est moi qui l'adorais, il m'appartient, il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Sans compter la masturbation, tous ceux qui ont utilisé des préservatifs sont de la même famille que la masturbation. Onan faisait quoi? Il jetait sa semence. Qui peut expliquer la semence? Oui. C'est le sperme qui est en homme qui donne l'enfant. Le sperme qui est en homme. Dès qu'il jetait le sperme là, à terre ou dans le caniveau. Alors que quand quelqu'un aussi utilise le préservatif, où il jette sa semence? Dans le caniveau, dans le verset. Alléluia. Alors toutes les fois où tu as utilisé ces choses, tu es frappé de la malédiction de ton âme. Et derrière cela, il y a des démons. On voit les gens voir l'église. Mon aîné n'enseigne pas ces choses. Ils ne savent pas qu'ils sont liés par des démons. S'ils meurent sans se repentir, ils seront jetés en enfer. Pour aller en enfer, là, je vous dis, la personne qui a déjà vu comment père. Voilà en enfer là. Tous ces grains, petits grains de sable là, c'est comme ça les gens rentrent en enfer. Tout ça là, c'est le sable. Et ce sable elle représente des personnes. Et ces personnes là rentrent en enfer comme ça. Mais pour aller au ciel là, un grain de sable. Parce que le ciel là, si tu n'as pas entendu la parole de Dieu, c'est pas le Seigneur Jésus a dit que le chemin large là, il est spacieux. Et il y en a beaucoup qui passent là-bas. Mais le chemin étroit là, il est resserré. Et il y en a peu qui le trouvent. Et vous avez trouvé ce chemin. Mais si vous ne vous repentez pas, vous n'allez pas rentrer au ciel. Alors vous devez vous repentir de ces choses que vous avez commises. Les avortements, les pilules, les préservatifs. Et plus encore la masturbation. Celui qui a fait avortement. Et celle qui n'a jamais fait, mais le fait qu'elle s'est masturbée, le fait qu'elle ait utilisé le préservatif, elle n'est pas différente de la femme qui allait faire avortement. Vous êtes identiques. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors
derrière le péché se trouve une entité démoniaque des démons. Mais moi, je n'étais pas avec toi. Mais toi seul, tu sais. Et tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper Jésus. Alors que comprends que celui que tu es venu voir ici, là, son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et ça comptait ce que je viens de dire. Le fait que tu as porté des bikinis, des habits sexy, les habits qui laissaient entrevoir tes formes, ta poitrine, et toutes ces choses, tu étais en train de coucher avec des gens. Hein? Vous allez dire comment ça? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Attends, je veux que lui lit ça. Attends, lui va lire ça. Lui, il est tout près ici. Alors, on voit des personnes porter des pantalons, porter des collants, porter des habits sexy et se promener. Bien aimé, laisse-moi te dire que les habits que tu as portés là, tu as couché avec des gens. Alors, tu n'es pas différent de la femme qui lance foulard à zone 4. Ou à Yopougon, rue Princesse. Matthieu 5, verset 27 à 28. Il faut lire à haute voix. Je sais que tu as une grosse voix. Matthieu 5, verset 27 à 28. Vous avez appris qui a été dit. Vous avez appris qui a été dit. Vous avez appris qui a été dit. Tu ne commettras point l'adultère. On s'arrête là. L'adultère, c'est quoi? Alléluia. Et que quand les gens ne savent pas faire des choses, quand je parle de femme mariée, si on n'a pas payé ta dot, que tu viens avec un homme qui n'est pas marié. Même si vous êtes parti à la mairie, tu n'es pas marié. Parce que la mairie, c'est hier, c'est venu. La mairie, c'est hier, c'est venu. L'administration, c'est hier, c'est venu. Mais avant cela, là, ce qui existait, c'était la dot. Alléluia. Donc si tu t'en vas, si tu vis avec quelqu'un qui n'a pas payé la dot, ça veut dire qu'il ne t'a pas marié. Et devant Dieu, tu n'es pas marié. Même si vous avez 5, 10 enfants, si vous avez 20 ans, 40 ensemble, devant Dieu, tu n'es pas marié. Si tu meurs aujourd'hui là, tu seras reconnu comme en tant que prostituée. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ici là, je parle de marié. Je parle de marié. Même si vous êtes ensemble, que vous avez commencé jeune, que vous avez 20 enfants ensemble, que vous n'avez pas payé la dot, devant Dieu, tu n'es pas marié. Alors, le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Donc, adultère ici, là, on parle de celles à qui ils ont payé la dot. Et puis, elle allait au funérailles. Et puis, elle allait sortir avec un autre homme. Et puis elle est venue, elle est rentrée dans la maison, comme si de rien n'était. Et puis elle va à l'église dimanche, elle dit, Seigneur, oh, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Oh, j'étais faible. Seigneur, j'ai trompé mon mari. Seigneur, pardonne-moi. Et puis elle prend son pain, elle est sur son vinaigre. Et puis elle dit, Amen. Dieu m'a pardonné. C'est faux. Dieu ne t'a jamais pardonné. La vraie repentance, de l'acte que tu as posé, tu dois aller faire asseoir ton mari. Vous dites, Kofi, je te parle. Et puis Kofi dit, il y a quoi? Et puis tu vas te mettre à genoux. Kofi, quoi? Tu m'as trompé. Oui, je t'ai trompé. Quand je suis parti au funérail, je t'ai trompé. Je te demande pardon. Kofi, oh, si il vient à casa, c'est fâché. Il n'a qu'à te frapper. Tout dépend. Il faut lui. Si tu ne lui dis pas que tu meurs, tu rentres en affaire. Je vous dis, toutes les personnes que vous avez connues, elle n'a pas prié. Et puis ça va être grave. Une fois qu'elle a fait ça, qu'elle n'a pas fait la restitution, elle est morte, elle n'est pas au ciel. Elle en a fait. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant que tu as marché Jésus, sinon tu n'étais pas chrétien. Alléluia. Amen. Alors, donc, si vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Maman, tu comprends mon langage, non? Tu comprends un peu, non? Ça va? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère.
adultère. Oui, homme de Dieu, allons. Et moi, Jésus. Oui. Que quiconque regarde une femme. Quiconque, celui ou celle qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle. Dans son cœur. Bien aimé. Je vous dis, il n'y a pas un homme qui va pas une femme à moitié du but, il va rester tranquille. Alors le diable fait quoi? Il a déjà dit les femmes. Les femmes portent des bikinis, des petits trucs, des petits habits, c'est des plaqués. Et puis maintenant elle marche dans la ville d'Abidjan. Ok, marche. Bien aimé. Oui, même si elle est vierge, si elle n'a jamais connu quelqu'un. Que tu as porté par tes accoutrements, par tes choses que tu as portées, et toutes ces choses ouvrent la porte aux esprits de rentrer dans ta vie. Est-ce qu'on me suit bien? Donc, bien aimé, cette malédiction qui pèse sur toi, si tu es là, puis tu fais, je vais vous dire la vérité, oubliez où le pasteur vient, on les voit d'une manière là, ils sont forts comme ça. C'est faux. Ça là, ce n'est pas l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus là, il dit la parole. Et la parole transforme. Mais il dit, je voyage dans ton salon, je vous dis que moi je suis de la côte. Et quand on était tout petit, on avait des gens qu'on appelait les Zinedine, les Goutteaux. Et ils faisaient ce même style. Je te vois, tu voyages. Goutteaux, Zinedine, ceux-là aussi faisaient les mêmes choses. Alors ça, ce n'est pas l'esprit de Christ, mais l'esprit de Christ envoie la parole. Et quand tu entends la parole, ton cœur est vivement touché et tu te répands et le Saint-Esprit te dit. Mais ce que vous voyez là, ça c'est l'esprit de communion, c'est l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit qui ne vient pas de Dieu. Alors il ne peut pas toucher le péché, il ne peut pas te dire que ce que tu as fait là, Dieu n'aime pas ça, réponds-toi. Mais il va te dire, je vois quelque chose dans ta vie, je te vois, tu voyages, je vois l'option. Et puis la femme crie, alléluia, c'est faux, tu ne vas jamais voyager. Oh, pasteur prêche. Et puis un coup, elle vient mettre dans le panier. Amen. Le pasteur dit, ma fille, alléluia, mais un serviteur de Dieu m'a dit, Deutéronome 29, verset 5, un véritable ouin qui a l'esprit de Christ, parce qu'il est dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 34, oui. Une femme ne portera point
un habillement d'or. Alors Dieu va te dire, le véritable serviteur de Dieu va te dire, ma fille, tu ne rentres pas avec ça ici. Tu ne peux pas rentrer ici avec ça. Parce que celui que nous adorons ici, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Et il a dit dans sa parole, une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Attends, papa, depuis tu es petit, un enfant, un petit garçon, il veut toujours ressembler à son père. Oui. Un petit garçon, oui. Il n'a pas lu la Bible, il n'a rien fait, il faut mettre robe de femme. Et puis il est petit même, on ne lui a rien dit, il n'a rien attendu. Il faut mettre robe de femme, il faut mettre pantalon. Il va te dire, papa, ça là c'est pour femme, je ne porte pas ça. Quand tu vas commencer à approcher robe, il va pleurer. C'est quand il va porter petit pantalon là, il va mettre sa main dans sa poche parce qu'il se reconnaît dedans. Et la petite fille, elle c'est les robes, elle est poupée. Mais aujourd'hui l'esprit a changé, elle ne porte plus robe, elle porte pantalon. Et Dieu dit que ça devient une abomination. Maintenant lui tu es déjà dans l'abomination et puis il te dit, je vois onction, 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 onction. Tu t'appelles, j'entends R, j'entends U, Esther. Esther. Poussez un peu. Alléluia. J'entends R. Et puis il dit non. J'entends Claudine. Est-ce que Claudine et puis R là, c'est la même chose? Un vendu. Un loup ravisseur. Alléluia. Alors derrière chaque péché se trouvent des démons. Faut dire ça à ton frère. Derrière chaque péché se trouvent des démons. Alléluia. Amen. Maintenant ces démons là, la seule personne qui peut faire partie de ces démons là, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors celui là qui peut faire partie des démons, son nom c'est Jésus-Christ. Et il a dit dans la parole que là où deux ou trois sont ensemble, son nom il est présent. Alléluia. Est-ce que toi tu me connaissais? Donc on est venu à un club d'amis. Est-ce qu'on est venu à une réunion de famille? Mais tu es venu ici à cause de Jésus, non? Alors, bien aimé, il a dit que là où deux sont ensemble à son nom. Papa, c'est à cause de Jésus que tu es venu, non? Maman, c'est à cause de Jésus que tu es venu, non? Maman, c'est à cause de Jésus que tu es venu, non? Maman, c'est à cause de Jésus que tu es venu, non? C'est vrai, c'est à cause de Jésus que tu es venu, non? Alors, il a dit là où deux ou trois sont ensemble à son nom, il est présent. Et si ça compte pour lui demander quoi que ce soit, il va le faire. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut plus t'occuper de tout ce qui va se passer autour de toi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a besoin de cette grande chose. Alléluia. Amen. Le docteur par excellence, il est là. Alléluia. Celui qui a vu la femme qui était couvée pendant tout son temps et qui l'a guéri, il est là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit que s'il y a le péché en toi, il ne peut pas faire quelque chose. Alléluia. La femme qui avait la peine pendant 12 ans. Oh bien aimé, celui-là qui a guéri cette femme est là aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, moi, je vous dis que j'ai un menteur, un voleur. Donc je ne peux rien faire pour toi. Mais celui qui peut faire quelque chose pour toi, il est là. Il s'appelle Jésus. Garde les yeux fermés seulement. Et dis-lui, Jésus, je suis devant toi. Garde les yeux fermés. Alléluia. Alléluia. Alors tout ce qu'il va te dire de faire, faut le faire. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, bien-aimé, tu ne parles pas parce que Bartimée a crié. Bartimée a crié. Mais vous êtes combien ici? Faut te représenter comme Bartimée. Et les autres, alléluia. Faut crier pour que ta voix porte. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Je suis devant toi. Je suis devant toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il a dit dans ta parole. Il a dit dans ta parole. Tous ceux qui sont venus te croiser. Ne sont pas retournés. Quels qui sont venus. Seigneur Jésus. Quand le fou de Gadara. Il t'a croisé. Il est dit dans ta parole. Il a été guéri. Il a retrouvé son bon sens. Seigneur Jésus. Toute personne. Il vit dans le péché. Il était insensé. Alors l'insensé va dire. Mais c'est quelqu'un qui est fou. Seigneur Jésus. Je suis fou. Seigneur Jésus. Je suis fou. Je suis même le fou de Dieu. Seigneur Jésus. Aujourd'hui même. Oh Dieu. Oh Dieu.
Délivre-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis aussi. Je suis aussi. De la famille d'Abraham. De la famille d'Abraham. Oh Dieu. Oh Dieu. Viens-toi de moi. Souviens-toi 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 de moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je fais des choses. Je fais des choses. Abominable. Abominable. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je fais des choses. Je fais des choses. Abominable. L'impudicité. L'impudicité. Masturbation. La masturbation. Le mensonge. Le mensonge. La débauche. La débauche. L'alcool. L'alcool. Les sexes. Les sexes. Oh Dieu. Oh Dieu. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Délivre-moi. 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 Brisé. La lion qui te lia, elle est brisée. Brisé. Le feu s'emplace. Le feu s'emplace. Le feu s'emplace.
Tu prends feu, 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 tu prends feu
Allez, vomis ta semence. Allez,
ça sort, allez ça sort, jette ta couronne, allez ça sort, allez ça sort, allez ça sort, tu crois le sang de Jésus, 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 tu crois le sang de Jésus. Le sang de Jésus te tourmente. Tu n'es pas que cette qui n'est pas la main de l'homme, mais la main du Saint-Esprit. Le sang de Jésus te tourmente. Le feu de tes entrailles. 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 Allez, la première chair humaine que tu as donnée. Allez, tu vomis sur la main. Allez, tu vomis le point de contact. Tu vomis les caméras. Allez, tu vomis ta semence. 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 Allez, ça sort maintenant. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. David. David. Tu vomis ta semence. Tu vomis ta semence. Viva, 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 viva
Le pouvoir restait la parole. Maintenant, au nom de Jésus, va ainsi
Je te chie, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te lave.
David, tu es venu ici. Je commande au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Père éternel, comme tu as crié là, Pierre, tu as soufflé sur le fils. Pierre aussi, en fait, dans la Chaudière. La fausse prophétie. Regarde, que le Seigneur vous fortifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Madame Gloire. Alors, je vais se voir. D'accord, attends mon secrétaire, je vais recevoir tout à l'heure. Jésus! Jésus! Lève-toi! Madame God! Ah! Le Père Pierre! Ah! Le guéri de l'éternel! Ah, petit discours là, c'est en direct, hein! C'est ça? Ou bien vous avez déjà, vous n'êtes pas encore passé à la délivrance? Ça fait longtemps. Mais pourquoi tu n'as pas suivi la procédure jusqu'à ce matin? Tu n'as pas eu le temps. Ok, Abraham, après vous la checker. Qui sont ceux qui sont venus pour un entretien? Un entretien. D'accord, tenez mon secrétariat. Oui, pardon. Il était fâché. Il a dit non, Abner, je te propose. Et la pensée de Abner, c'est pas de vous réconcilier, mais c'est de vous diviser. Alors Joab a pris son épée et il a envoyé des messagers dans une ville, là où Abner est parti. Parce que Abner est venu rendre visite à David et il est parti. Alléluia. Alléluia. Donc Joab voulait se venger. De quoi? Parce que Abner dans la guerre avait tué son frère. Donc Joab voulait se venger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Point un, il allait tuer Abner.